pense que c'est une vraie chance pour un jeune chanteur de se voir offrir un tel album. Offenbach, c'est quand même un compositeur que tout le monde connaît, connaît peut-être mal vu les airs qu'on a choisis. On a commencé ce projet, en tout cas moi je me revois en septembre 2016 avec mon ordinateur en train d'éplucher tout le répertoire Offenbach disponible pour essayer de trouver les airs à coloratour. Et puis avec Alexandre Bravicki, le directeur du Palazzetto Bruzane, on a fait une lecture de ces airs. On a essayé de choisir ceux qui me correspondaient le mieux, ceux qui seraient le plus intéressant pour ce disque et que ça soit le plus varié possible. Offenbach n'est pas aussi simple qu'il y paraît. C'est vrai qu'avoir les accompagnements, on peut penser que c'est un peu redondant. Et ça ne l'est pas du tout vocalement. Ça demande beaucoup, beaucoup d'investissement. Les cadences de coloratour sont toujours écrites de façon très riche et ça ne va pas à la simplicité. Il a toujours une façon d'écrire qui est très instrumentale. Et donc, du coup, vocalement, ça c'est pas si évident. Je pense que c'est une chance pour le bicentenaire Offenbach d'avoir un orchestre allemand, la nation d'Offenbach, en tout cas sa nation de naissance, et puis sa nation de cœur qui se rejoignent pour fêter ce compositeur qui n'est pas toujours peut-être représenté de la meilleure des façons, ou en tout cas apprécié à sa juste valeur. Dans un répertoire qui est en plein dans le répertoire de l'opéra comique, donc on est dans quelque chose d'assez central, et donc ça demande du corps dans le grave, mais une légèreté extrême pour les aigus, et voilà, on doit faire pétiller le champagne, donc c'est pas toujours évident techniquement, mais le plaisir aide à ce qu'on y arrive.